Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vous le savez, j'ai plusieurs passions. J'aime la nourriture, j'aime les parcs d'attraction et j'aime la culture générale. Malheureusement aujourd'hui, je ne vais pas manger, mais on est parti du côté du Grand Est où on est accueilli de manière très très privilégiée par Nigloland qui nous a ouvert leurs portes exceptionnellement pour que je puisse faire l'un des trucs que j'aime le plus faire sur YouTube, à savoir de la culture générale. Pour cette vidéo, je vais challenger trois personnes exceptionnelles. Je vais avoir le fantastique Brieux, la sensationnelle Jordi et le magnifique Max. Alors le principe, vous l'aurez compris, ils vont devoir répondre à un maximum de questions de culture générale pour remporter un maximum de points, pour remporter la vidéo. Mais attention, ils vont être dans des attractions, ce qui va rendre les questions un peu plus compliquées. Mais petite subtilité, en début de manche, ils vont tirer chacun une boule et la personne qui va tirer la bonne boule aura la chance d'être posée confortablement sur un matelas Emma qui nous accompagne dans cette vidéo. Je vous en parle juste après, mais tout de suite, je vais retrouver mon trio de choc. Et je retrouve mon trio de choc aujourd'hui. Comment ça va? Vous sentez comment aujourd'hui? Parce qu'on va faire un peu des attractions. Mal. Je déteste les attractions, pareil. Et toi, Brieux? Moi, je suis serein. Vous l'avez compris, ça va être un test de culture générale, mais je vous ai demandé un peu vos thématiques pour un peu orienter, pour que ce soit un peu plus drôle, pour que vous puissiez répondre à un maximum de questions. Je mets un truc en jeu, les gars. Une voiture? Ah ouais? Non, aujourd'hui. Vous le savez, en début de manche, vous allez tirer une boule. Et la personne qui va tirer la boule verte aura un petit bonus. Je vous en dis pas plus, mais il y a un petit indice visuel juste là. Là, on est sur la première attraction, la descente du Schlitz. C'est le Schlitz Express. Donc on commence crescendo, c'est une attraction familiale, donc ça va être tranquille pour commencer. Vous allez tirer les boules. Main face à vous, 3, 2, 1, ouvrez. Ouais, let's go. Max qui sera tranquillement installé. Tu sais, tu vas être installé où? Tu vas être installé sur ce magnifique matelas Emma qui nous accompagne dans cette vidéo. Alors Emma, ce sont les experts de la literie. Ils vendent plein de produits de qualité, des sommiers, des matelas, des oreillers, des couettes. Ce sont vraiment les experts du sommeil. Et pour cette vidéo, ils nous ont passé le matelas original. C'est le matelas le plus vendu en France en 2020 et 2021. J'ai changé d'appart. Ils m'ont trop bien équipé. Ils m'ont passé un matelas cet été. Passe des nuits de malade. Max, il cherche un appart? Ouais, je cherche un appart. Mais ça n'a aucun rapport. Et je fais même des siestes de l'enfer. Je fais partie du FC Sieste et je fais peut-être des fois des siestes de 3 heures. D'ailleurs, je dis souvent que pour passer de bonnes journées, il faut passer de très très bonnes nuits. Tu dis jamais ça. Merci Emma de nous accompagner dans cette vidéo. En plus, ce qui est cool avec Emma, c'est que leurs produits sont garantis pendant 10 ans. La livraison et les retours sont gratuits. Et pour être convaincu, vous avez 100 nuits d'essai. Donc c'est parfait. Je vous invite à tester les matelas Emma pour le Black Friday avec le code Fred. Vous avez 10% qui sont cumulables avec les 50% de réduction en cours. Le code il est là jusqu'au 23 novembre pour les commandes supérieures à 300 €. Merci à eux. Toi, tu vas pouvoir le tester tout à l'heure. Mais on va commencer tout de suite. C'est Brieux qui commence. Brieux. Brieux. Allez, qui commence. Est-ce que t'es prêt, Brieux? Je vais te donner ta thématique. Le BTP. On va partir sur les échecs. Oh, il est chaud en échec. Noir et blanc, les pièces noir et blanc. Ouais. C'est parti pour la première attraction. Je rappelle que vous pouvez jouer aussi chez vous, si vous connaissez un peu les échecs, sachant qu'il y aura plein de questions différentes tout au long de la vidéo, donc amusez-vous. Brieux, c'est parti, on peut y aller, c'est le Schlitz Express. Ah, oh, le Schlitz Express. Donc, je commence pas tout de suite, donc là on va monter tranquillement Brieux et je vais commencer à poser les questions en haut. Et la tension monte, hein. Nous on monte, mais la tension aussi, Fred. C'est parti, combien de cases compte un échiquier? 64. Dans la position initiale, quelle pièce entoure le roi? La dame et le fou. C'est ça. Quelle pièce a le pouvoir de sauter par-dessus les autres? Cavalier. C'est ça. Quelle pièce a le pouvoir de se transformer en une autre? Le pion. Comment appelle-t-on le mât où un roi se fait condamner par ses propres pièces qui l'empêchent de fuir? Le mât du couloir? Non, c'était le mât à l'étouffer. En combien de coups peut avoir le mât le plus rapide possible? En 3. Non, c'est en 2. De quel pays les échecs sont-ils originaires? De Russie. Non, c'est Inde apparemment. Que signifie le terme échec et mat? Attends, ça veut dire le roi est mort. Quelle pièce ne peut jamais aller sur une autre case d'une autre couleur? Le fou. Quelle est la pièce que l'on n'a pas le droit de... que n'a pas le droit de capturer? Le roi. Le roi, c'est ça. Quel jeu est connu comme l'ancêtre des échecs? Les dames. Non. Quel est le premier champion du monde officiel? Gasparov. Fini. Ça, c'est Gasparov? J'ai pas ça, non. Nickel, j'ai fait un bon score. J'ai fait 7. C'est nul. 1, 2, 3. Donc j'ai 6 encore. C'est encore 4, moins. 6. Brieux, non, mais c'est bien les échecs. De toute façon, ça, c'est la culture générale l'échec, hein. T'es un très bon joueur. Bonjour Jordi, installe-toi. Tu sais que j'ai une très bonne thématique pour toi. Fais-moi rêver. Tu m'as donné une thématique qui m'a beaucoup fait rire, que je ne connaissais pas. On va partir sur une thématique plus belle la vie. Oui, let's go.
Alors, Jordi, je le rappelle pour les gens, c'est que au début, moi, je te connaissais pas trop à Maison Grise, et entre midi et deux, tu montais là dans le petit grenier et tu mangeais devant des vidéos de Plus Belle la Vie, mais je me suis dit, qui est cette personne? Je découvre un nouveau personnage. Toi, t'as dû faire les tests de quel personnage de Plus Belle la Vie êtes-vous? Ouais, je suis Mélanie. dégoûtée. C'est parti, on y va, Jordi, pour le Shit Express. Jordi, c'est parti. Combien de saisons comporte la série Plus Belle la Vie? 18. Quel est le nom du quartier imaginaire? Le Mistral. Comment s'appelle le fils cadet de Roland? Thomas. Marcy, c'est Thomas. Marcy, comment est décédé Carole Lenoir dans la saison 2 de la série? Assassiné? Non, grippe mortelle. Quel est le surnom de la voiture de Jean-Paul Bauer? Titine. C'est Titine. Quel entraîneur de l'OM fait une apparition dans la série? Jean-Paul. Non, c'est José Anigo. Que laisse Samia Nasri DRL avant de disparaître dans la série? Une voiture? Non, c'est des lettres. Qui est l'assassin de Mathieu Guichard dans la saison 17? Je sais pas. C'est François Marcy. Ah ouais. Dans quel pays se trouvait Mélanie Rinato, laissant presque aucun survivant? La Tunisie? Non, c'est en Croatie. Dans la série, combien de fois Sacha... Combien de fois Sacha Était marié. Tu m'as perdu une fois. Non, c'est deux fois. Attends, c'est deux fois. Mais non, pardon. Comment s'appelle le lycée que la génération Scotto, de jeunes... Scotto. Quel est le personnage de Céline Frémont de Tepel de Zeux? Attends. Comment s'appelle l'entreprise que gérait le magouilleur Frémont? Fénicie. Quelle est la passion de Léo? La police. Oh non, je sais, attends, le VTT. Le vélo, c'est ça. C'est toi qui as paniqué, en fait. C'est le pire lecteur de questions. T'as fait un point de plus que Brieux. T'as fait 7. J'ai bien niqué sa race. Bravo, Jordi. Merci beaucoup. Allez, on passe aux questions de Max sur le lit Emma. Max, t'as eu la chance de tirer la bonne boule, donc tu vas pouvoir t'installer tranquillement sur le lit. Avec grand plaisir. Oh, mais il est confort de fou. Attends, en vrai, il est bien, hein. Quand vous dites qu'elle vous a quitté, est-ce que vous pensez vraiment que... C'est pas ça, là. Ah, pardon. Max, je vais te donner une thématique. T'auras le même temps que les copains. On va partir sur une thématique que t'apprécies, parce que tu m'as dit que t'aimais bien le cinéma français. Oh, j'adore. C'est parti. Quelle actrice incarne Amélie Poulain? Audrey Tautou. Quel acteur accompagne Omar Sy dans Intouchables? François Cluzet. Qui a réalisé Bienvenue chez les Ch'tis? Danny Boone. Qui joue Obélix dans Astérix et Obélix? Gérard Depardieu. Combien de films de la saga Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ont été réalisés? 2. 3. Qui joue Jacouille la Fripouille dans Les Visiteurs? Christian Clavier. Quelle chanteuse a été révélée dans le film La Famille Bélier? Louane. Qui a réalisé le cinquième élément? Luc Besson. Quel trio d'humoristes joue Les Trois Frères? Les Inconnus. Quel tour célèbre est rendu célèbre au cinéma par Eric et Ramzy? La Tour Montparnasse. Qui est l'acteur principal de La Soupe aux Choux? J'ai plus son blague. Jean Cocteau. Qui est le réalisateur de La Haine? Mathieu Kassovitz. Dans quel film français peut-on entendre la chanson Vois sur ton chemin? Gazoublé les choristes. Les choristes. Qui est l'acteur principal des films Taxi? Samina Seri, à pas confondre avec le footballeur. Quel acteur français a dit la phrase mythique On n'attend pas Patrick? Franck Dubosc. Comment s'appelle la troupe comique française qui joue dans Babysitting ou encore Alibi? Truc de la show, la bande à Fifi, ouais. C'est pas mal. Je vous invite à revenir. On a vu, tu nous as mis de misère. Les questions étaient faciles, mais bon. Alors, Brio, t'as fait 6 points. Ouais, c'est énorme. Bravo, super. C'est énorme, 6 points. Sur un vrai thème. Bravo. Jordi, sur une thématique qui est pas mal quand même. Sur Plus Belle la Vie, t'as fait 7 points. Merci. Bravo. Et Max, t'as fait 13 points. Voilà, il a fait nos deux cumulés. Plus que la... Ah ouais, les deux cumulés. Bon, là, c'était tranquille. On va monter d'un cran. On va même décoller d'un cran. On passe tout de suite à la deuxième attraction, Air Meeting. C'est parti. Oh, let's go. Arrête. Salut à tous, c'est la manche 2. Arrête, c'est pas toi. On se retrouve pour l'épreuve numéro 2, mais avant, ça veut vous faire ça? Il a failli m'éclater dans la tête. On est sur le Air Meeting. Là, j'ai vous, là. Je vois dans vos visages, là, ça. Les pépettes, là. J'ai aucune envie, premier degré, de le faire. On est sur le Air Meeting, vous avez vu, là, c'est un aéroport ici. Parce que là, vous avez décollé dans les airs. Et en plus, il y a une partie un peu vrille sur laquelle il va falloir un peu jouer avec les manettes pour un peu vriller. On passe tout de suite au tirage au sort. Tendez vos bras. 3, 2, 1. Révélé. Let's go! Oh le bâtard! Oh, je suis refait! T'as eu de la chance, tout à l'heure c'est toi qui avais commencé Brieux, je propose à Jordi là de commencer. Dans tous les cas, moi ma priorité c'est que tu passes un bon moment. Bah ça marchera pas. Ah mince. Je reste en bas pour poser les questions, ça sera plus simple et je vais t'appeler directement, tu vas être dans l'avion. Mais pas le mode avion, ça sert à rien cette fois. Oh, elle est bonne! Jordi,
Installe-toi. On va passer sur l'épreuve. Jordi, là, tu ne connais pas encore ta thématique. Bah non. Ta thématique, c'est une thématique que t'aimes beaucoup. Le blind test. On part sur du blind test. Alors c'est très simple. Ce qui va se passer, c'est que je vais te donner juste le nom de la chanson et tu vas me donner l'artiste. Allez-y. De toute façon, je vais plus répondre parce que je vais tomber dans les pommes. C'est parti pour le décollage. Jordi, je vais te demander un peu de jouer le jeu et de faire des vrilles à un moment donné. Non, je pourrais pas. Non, là, c'est déjà trop. Ah, je peux pas. Je peux même pas ouvrir les yeux. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. 3, 2, 1, Jordi, c'est parti. Jordi, qui chante la chanson en rouge et noir? Jeanne Mas. Qui chante Les sons entrer le soleil? Ah, je sais pas, Claude François? Non, c'est une pub. Sunny. Elle a les yeux revolver. Ah, bah Marc Lavoine. Place des grands hommes. Ah, Patrick Bruel. All I want for you is Christmas. Maria Carré. Don Chat. Les Pussycat Dolls. Fireworks. Katy Perry. Happy. Pharrell Williams. Inda Club. 50 Cent. Just give me a reason. Pink, c'est Pink. Qui chante Lose Yourself? Eminem. Qui chante Love Yourself, à ne pas confondre? Justin Bieber. One Dance. Ah, One Direction. Non, Drake. Price Tag. Ah, Jessie G. Shake It Off. Shake It Off. Taylor Swift. Très bien, stop. Bravo Jordi, t'as été meilleur sur un truc qui monte hyper haut. Et t'as fait un score qui est excellent, t'as fait 14 points. Sensationnel. On passe tout de suite à Brio qui va monter. T'as ton passeport? Oui. Par rapport aux avions. Allez Brio, c'est parti. Brio, est-ce que t'es chaud? Ouais, oui, plus ou moins, oui. Tu m'as dit qu'une de tes spécialités c'était les mathématiques. Donc là, on va partir sur une thématique 100% mathématiques. J'espère que tu vas être chaud Brio. Bah, j'espère. C'est parti! Brieux, décollage. Quelle est la somme des angles d'un triangle? 180 degrés. Le produit est le résultat de quelle opération? Une multiplication. Quelle est la formule pour calculer le périmètre d'un cercle de rayon R? Pi fois R. Que vaut pi à deux décimales près? 3,14. Fred a 340 000 abonnés. Comment lui manque-t-il d'abonnés pour atteindre le million? 660 000. Sur quelle forme géométrique s'applique le théorème de Thalès? Triangle. Dans le théorème de Pythagore, comment s'appelle le côté opposé à l'angle droit? L'hypoténuse. Vas-y, accélère, accélère. Combien de côtés a un dodécagone? 8. Comment s'appelle un triangle qui a deux côtés égaux? Isocèle. Comment s'appelle un triangle qui a trois côtés égaux? Équilatéral. Quelle est l'aire d'un carré dont le côté est A? A au carré. Quelle est la définition d'un nombre premier? C'est un nombre qui est divisable uniquement par lui-même. Enfin, par un... Ouais. Quel est le résultat de 11 fois 11? 121. Quelle est la somme des angles d'un rectangle? 360. Quelle est la troisième fonction trigonométrique après sinus et cosinus? Tangente. Quel est le tiers du double de 36? 24. Comment s'appelle-t-on le résultat d'une division? J'ai pas. Ok, très bien, bravo Brio! Franchement, c'était très dur. Je crois que Brio a fait un excellent score. T'as fait presque un sans faute, mais t'es trompé sur le dodécagone. C'est 12 côtés. Et t'as fait le score excellent, mais similaire, de 14, comme Jordi. Bravo, tu peux descendre et maintenant on passe à Max qui va être tranquillement installé sur son matelas. On accueille Max. Max, encore le chanceux qui va s'installer sur ce magnifique matelas et un matelas. Ah oui, ah la galère. Là, t'as un peu de chance, on va partir sur une thématique que t'aimes bien. Je suis pas parti sur le foot parce qu'on sait que t'es beaucoup trop fort. D'ailleurs, t'avais gagné mon quiz foot géant royal. Mais là, on part sur une thématique que t'aimes bien et je pense que les gens aussi qui regardent vont aimer. On part sur une thématique de sport. Ah, le sport, j'adore le sport. Le sport, donc tu auras exactement le même temps qu'ont eu tes camarades, à savoir 1 minute 36. Est-ce que tu es prêt? C'est parti, au tennis, combien y a-t-il de tournois du Grand Chelem? 5. Les trois disciplines d'un triathlon? La course, la nage et le vélo. Quelle est la distance d'un marathon? 42 km. Quel champ les All Blacks entendent-ils avant chaque match? Dakar. Comment s'appelle l'athlète qui détient le plus de médailles olympiques? Michael Phelps. Quel athlète détient le record du nombre de Grand Chelem au tennis? Novak Djokovic. Quelle est la durée d'un match de rugby? 80 minutes. Quelle est la durée d'un match de football? 90 minutes. Dans quel pays est né le judo? Au Japon. Quel est le record détenu au 100 mètres hommes? 9 secondes 58. Quel score maximal peut-on atteindre sur un seul lancer de fléchettes? 80. Non, c'est 60. Quels sont les deux sports qui composent le combiné nordique? Ski de fond et tir. Non, c'était le saut à ski. Yes. Dans quel pays ont lieu les derniers Jeux Olympiques d'été? À Londres. C'est au Japon. Que représente le maillot à points rouges au Tour de France? Meilleur grimpeur. Meilleur grimpeur. En combien de points se joue un match de ping-pong? 21. Non, c'est 11 maintenant. Dans quelle équipe a été recruté Victor Wembanyama? Wemby, comme je l'appelle. Wembanyama, les Spurs, San Antonio. Quel célèbre sportif avait pour véritable nom Cassius Clay? Mike Tyson. Non, c'était Mohamed Ali. Comment s'appelle le frère de Laure Manaudou? Florent Manaudou. Dans quel sport utilise-t-on le terme touchdown? Football American. Comment s'appelle le coup ultime qu'un joueur de baseball exécute lorsqu'il lance? Home run! Bravo! Je les ai boxés, comme on dit. Un excellent score encore, mais très proche de tes copains, t'as fait 15 points. Let's go! Bravo! Je mets un récap des points qui s'affichent juste ici. On passe tout de suite à la troisième épreuve qui est le Grizzly. Oh. Ouh.
On est sur la troisième attraction, mais avant, savez-vous faire ça? Ouais, à chaque fois c'est facile. On est là, on est sur l'attraction qui est le Grizzly, donc c'est une attraction qui fait une sinusoïde rotative. Question de maths. En même temps, je déteste. Là, contrairement à tout à l'heure, là je vais être avec vous, donc on repart ensemble. Jordi, j'espère que tu vas faire l'attraction une nouvelle fois. C'est parti pour le tirage au sort. Bras devant, 3, 2, 1, révélé. Non. Et c'est Jordi. Let's go. Max, on va commencer par toi. Toi, t'as pas encore fait d'attraction. On monte tout de suite là dans le Grizzly. Allez, c'est parti. Bien, mon petit Max. Écoute, on va partir sur une thématique. Je rappelle que vous pouvez jouer chez vous parce que je vois depuis tout à l'heure, vous êtes devant votre télé. C'est là, c'est tranquille, ça la coule douce. Vous pouvez jouer chez vous. Et là, on va partir sur une thématique. Tu vois, en vrai, là, qui est un peu le cœur de la vidéo, c'est culture générale. Max, on est parti. Quelle est la plus grande planète du système solaire? J'en ai aucune idée, la Terre. Quel est le plus haut sommet du monde? L'Everest. L'Everest. Quelle est l'unité de mesure de la puissance électrique? Les watts. Combien de litres peut-on mettre dans un Mathusalem? Combien d'années de mariage? 7 ans. Les noces d'or, c'est combien d'années? 50. Oui, c'est ça. Oui. Quel est l'animal terrestre le plus rapide? L'antilope. Non. Combien d'étoiles compose la grande ours? Mais j'en ai aucune idée. 12. Que permet de mesurer l'échelle? L'échelle de Scoville. Le piment là. Le piment. Quelle partie du corps humain est en charge de faire disparaître les substances toxiques? Le foie. Qui a prononcé le discours I have a dream? Martin Luther King, je sais. Quelle est la signification de W, de WWW dans cette attraction? J'en ai aucune idée. Le dernier W, c'est quoi? Web. Oui, c'est ça, c'est ça. Quelle profession est concernée? Quelle profession est concernée par le serment d'Hippocrate? Le médecin. Ce qui nous sauve la vie. Combien de régions y a-t-il en France? 13. Comme Marseille. Quelle année a été détruit le mur de Berlin? 89. Combien y a-t-il d'océans dans le monde? 5. Qui est l'auteur du roman intitulé Madame de Bovary? Aucune idée. Stop. T'as pas été mauvais. Sortez-moi de ce traquenard. Bravo Max, ça a été bon. On accueille tout de suite Brieux. Est-ce que t'es prêt? Je suis plus que prêt, Fred. Eh ben je crois que c'est parti. Qui est l'auteur du roman à succès 1984? George Orwell. Par quel terme désigne-t-on une partie nulle aux échecs? C'est ça, c'est hasard. Bah nul. Pâte à la limite. Quel objet sert de trophée au championnat de France de rugby? La coupe, j'ai vu. Quel nom porte le bateau dont Théodore Géricault peint le radeau? La Méduse. Quelles autoroutes françaises sont appelées autoroutes du soleil? La 16. C'est la 6 et la 7. Quelles sont les couleurs des fêtes de Bayonne qui se déroulent en été? Rouge et blanc. Quel homme politique est à l'origine de la fête de la musique en France? C'est Jacques Lang. Quel est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques? Ah, je sais pas. Quel personnage célèbre est le plus utilisé comme nom de rue en France? Charles de Gaulle. Ah, Otaro, comment appelle-t-on l'excuse le 21 et le petit? Les bouts. Quelle épice donne traditionnellement sa couleur jaune à la paella? Ah, putain! Le paprika. Non, c'est pas ça. Quel type d'objet un Philumenis collectionne-t-il? Je sais pas. Dans quel pays se trouve la ville d'Ushuaïa? Aux États-Unis. C'est en Argentine. Sous quel pseudo est plus connu le rappeur américain Calvin Brodus? Eminem. Combien d'œufs se compose une tétralogie? 3. Combien de planètes se compose notre système solaire? 8. Quel est le plus long fleuve d'Afrique? Le Nil. Qui a écrit la pièce de théâtre Roméo et Juliette? Shakespeare. Quelle marque a pour slogan le bon saucisson comme on l'aime chez nous? Herta. Comment s'appelle le druide village gaulois d'Astérix? Le druide, c'est Vercingétorix. C'était panoramique. Panoramique. On est au sol, on est tranquille. Jordi, c'est à toi. Je pense que pour la première fois, tu vas pouvoir ouvrir les yeux quand je te pose des questions. Tu peux t'installer, tu vas voir comme c'est confortable. Tu seras beaucoup mieux que dans l'attraction. Mais ça met plus la pression, hein. Jordi, est-ce que t'es prête? 3, 2, 1, c'est parti. Par quelle nage commence-t-on l'épreuve des 4 nages? La brasse. Combien a-t-il de centimètres dans un mètre? 100. Qui a inventé l'ampoule électrique? Edison. Qui était le numéro de maillot de Michael Jordan quand il est voué à Chicago Bulls? 10. Comment s'appelle le druide ville? Panoramique. Quel est le président des États-Unis qui a été assassiné à Dallas en 63? Quel rappeur français s'appelle en réalité Eli Jaffa? Joey Star. C'est Booba. Quelles sont les couleurs du drapeau de la Thaïlande? Rouge, blanc, vert. Non, rouge, blanc, bleu. Sous quel nom est plus connu Barbara Millicent Robert? Vous pouvez jouer chez vous? Je sais pas. C'était Barbie. De combien d'étoiles se compose la grande ours? 18. Non, 7. À quelle couleur l'adjectif Isabelle se rapporte-t-il? Bleu. Non, jaune, on salue toutes les Isabelles. Combien de sommets possède un cube? 1, 2, 3, 8. Dans quelle équipe Tony Parker a-t-il joué en NBA? Chicago.
Chicago Bulls. Quelle est la nationalité du nageur Yann Torp, que j'appelle moi la torpille? Suédois. Dans quel pays se déroule le deuxième OSS? Égypte. Eh non, c'est Brésil. Quel acteur incarne Brice de Nice? Jean du Jardin. Quel acteur joue le rôle principal dans Podium? Benoît Poulvord. Comment s'appelle le film où Fabrice Eboué et Thomas Njol jouent deux demi-frères? Casse départ. Qui est l'inventeur de la pile électrique? Edison. Quelle ville italienne est aussi nommée la cité des Doges? Non, c'est Venise. Quel festival musical se déroule chaque été à La Rochelle? Ah, les Francopholies. Combien de litres peut-on mettre dans un Mathusalem? 6. Quelle épice donne traditionnellement sa couleur jaune à la paella? Cuma, le curry? Non, c'est le safran. Allez, backup. Quelle mistralienne le docteur Livia a-t-il essayé d'assassiner? Dans Plus belle la vie. Du coup, là, c'était question Plus belle la vie. Ouais. Luna. Comment est morte Élise, la fille de Jeanne Carmin? Droguée, enfin, genre assassinée. Jonas est le fils de. Purée, je le sais, Sacha! Jordi, c'était vraiment pas mal. Je te propose qu'on accueille tout le monde. Bravo pour cette troisième épreuve. Max, tu as fait le score de 11 points. Oh! Brieux, tu as fait le score de 10 points. Yes! Chef! Et Jordi, t'as marqué le plus de points, t'en as fait 12! Oh! Bah merci! Un petit récap des points qui s'affichent. Brieux, 30 points. Jordi, 33 points. Et Max, 40 points. Mais ce n'est pas fini. Tout peut encore se jouer. On passe tout de suite à la quatrième attraction qui est Alpina Blitz. Non mais vous m'avez pas dit qu'il fallait refaire l'ours, moi j'ai fait le ski. Bah alpin. Bon oh, non mais alpine c'est les voitures à la limite. Bah, venez on y va sinon. Ouais, là-bas. Ok. On est sur la quatrième attraction, l'Alpina Blitz, mais avant ça vous faire ça. Évidemment que oui. Est-ce que vous êtes prêts? Là, attention, là c'est l'Alpina Blitz. Là on est parti sur des, moi ce que j'appelle des montagnes russes. Donc attention, là ça va secouer, sachant que là maintenant, là on va arrêter les questions ouvertes, ça va être des listes. Messieurs, dames, fermez les yeux et c'est parti. Main devant vous, 3, 2, 1, révélez! Non! T'es pas content là? Non, je voulais la faire. Jordi, on est parti? On est pas. Ah, c'est vrai, commence! Et là, on va être sur une thématique qui va te faire rire. Jordi, on est dans l'Alpina Blitz. Je vais te dire, Jordi, ce que tu vas devoir me donner un maximum de films Disney. Et je compte Disney, Pixar. Jordi, tu peux commencer! Ok. Blanche-Neige, Le Roi Lion 1, Le Roi Lion 2, Le Livre de la Jungle, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, Aladdin 1, Aladdin 2. Allez, appelle Brieux. Brieux, tu m'as donné une thématique que t'aimais beaucoup, qui était la cuisine. Alors, ce que tu vas faire, Brieux, c'est que tu vas me donner un maximum d'épices qu'on peut mettre pour assaisonner des plats. Brieux, je t'écoute, c'est parti. Sel, oui. Poivre, curry, paprika, ouais. Cumin, oui. Safran, oui. Curcuma. Oui. What the fuck? What the fuck? Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas, mais je peux pas, c'est impossible. Mais c'est pas possible! Mais c'est impossible, je peux pas. En fait, je peux pas faire les deux. Mon cerveau veut pas. Ah oui, vous voulez pas? Ça fonctionne pas? Ah, mais j'en tremble, c'est fou. Ah, t'as montré aux gens comment t'écris. Comment tu vas compter là? Très bien, Max. J'ai l'impression que tu commences un peu à le connaître, ce petit lit là. Ouais. Tu vois? Je vais partir sur une thématique. Tu m'as dit que t'aimais bien ça. Donc, tu vas avoir 45 secondes pour me citer un maximum de pilotes de Formule 1. C'est parti! Piastri, Hamilton, Verstappen, Perez, Leclerc, Gasly, Ocon, Magnussen, Hülkenberg, Ricardo, Tsunoda, Norris, Lando Norris. Stop! Carlos Sainz, j'ai oublié. Russell, j'ai oublié. Oh là là, la galère. Je vais appeler mon petit casting à revenir ici. Je vais vous donner là les résultats. Jordi, tu m'as dit 14 films Disney. Ça passe. Brieux, toi c'était les épices. Toi tu m'as dit que t'aimais beaucoup la cuisine. Ouais. 8. Oh, c'est bien, c'est dur. C'est bien, je consolide ma place. Et Max, avec ce matelas, et ma matelas hyper confortable, je préfère le rappeler, tu as fait le score de 12. Oh waouh! Non mais très dur, Max, c'était de Max. Très très dur. Petit récap des scores qui s'affichent à l'écran. Brieux, 38 points. Jordi, 47 points. Et Max, 52 points. Mais attention, la prochaine manche sera déjà décisive parce que c'est forcément la dernière manche. On se retrouve tout de suite pour celle que je redoute. Ah, vraiment, parce que c'est la dernière. C'est le donjon de l'extrême. C'est parti. C'est Pierre des Caraïbes? Ouais, ça n'a rien à voir en plus.
On est sur la cinquième et dernière attraction. Mais avant, savez-vous faire ça? C'est pas assez impressionnant. C'est moins impressionnant. Okay, non, c'est moins impressionnant. Ouais. On est sur le donjon de l'extrême. C'est une tour qui fait 100 mètres, donc c'est la chute libre, littéralement. Et là, je pense que la boule verte va avoir un énorme impact. C'est parti pour le tirage au sort. Bras devant, 3, 2, 1, révélé. Non, c'était sûr, on le savait que c'était mais sûr. Mais c'était sûr. C'était sûr. Oh non, mais j'y arriverai jamais. Comment ça va que Jordi, tu le fais en deuxième? J'ai envie de chialer premier degré. Je suis stressé, je déteste les attractions. Et ça, c'est la plus grosse attraction que j'ai jamais fait de ma vie, je pense. On est actuellement au départ du donjon de l'extrême. En fait, on a l'impression que j'ai peur, mais en fait, non, c'est je suis concentré un peu dans ma vidéo, dans mes questions, etc. Mais en fait, je flippe pas du tout. Et ça va vraiment bien se passer. Jordi, je vais donner ta liste. Ah, mais me parlez pas. Ah bah si, pour la vidéo. Ah oui. Je peux pas regarder. Jordi, est-ce que t'es prête? Tu m'as parlé de ta thématique qui était la Bourgogne. À partir de maintenant, tu vas me donner un maximum de villes que l'on trouve en Bourgogne. C'est parti. Ok, Beaune, Savigny-les-Beaunes, Montagny-les-Beaunes, Alox-Corton, Pommard. Oh putain, je suis en train de bugger. Nuit-Saint-Georges, Dijon, Chalon-sur-Saône, Le Poil, c'est une vraie info, Mâcon. Vous pouvez jouer chez vous aussi, s'il y a des gens de la Bourgogne qui nous regardent. Chauray-les-Beaunes, Romanée-Conti, Ladouas-Sérigny, Corgolouin. Je vais chialer, j'ai trop peur. Je peux pas. Je suis en train de chialer, mais je sais, super. J'en ai plus des villes. Ah, ta mère. Oh putain, Jordi. Dis-toi quand ils vont lâcher. Ça va lâcher bientôt. Ah, je peux pas, je vais pleurer, je pleure déjà. Jordi, merci d'être venu à Manchester. Tu te rappelles de Manchester quand t'es venu à Ronaldo? Tu te rappelles le vlog à Manchester? Ouais, c'était super, il m'a emmené. La victoire 4 à 10 qu'un seul. Le retour de Ronaldo. Jordi, bravo Jordi! Ah putain! Jordi, bravo! J'ai une crampe à la jambe tellement j'étais stressée. Je vais pas mentir, j'ai rien vu. J'ai fait que fermer les yeux. Ah, c'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Ouais. Max, tu vas être chaud. De toute façon, comme on dit chez toi, tu crains des gains. Je crains des gains. Max, on va y aller. Tu m'as donné plusieurs thèmes. Il y a un thème que j'ai bien aimé parce que je suis un peu comme toi. J'ai un peu cette passion. On est sur la thématique de Halloween en ce moment. Le parc Midland d'ailleurs est décoré aux couleurs d'Halloween. T'aimes les films d'horreur? J'adore ça. Tu vas m'en citer un maximum à partir de maintenant, le maximum de films d'horreur à partir de maintenant. C'est parti. So, Inside Use, Sinister, Paranormal Activity, The Grudge. The Grudge, très bien, très l'exorciste, bon film. L'Exorciste. À l'intérieur avec Béatrice Dalle. Grave, Halloween, Massacre à la tronçonneuse. Regarde en bas pour voir si c'est un film d'horreur. La pute. Pardon. Ah, c'est un truc de fou. Scream. Ah putain, j'ai peur, je vais crier. On est beaucoup trop haut. On est tout en haut et là je pense que j'ai fermé les yeux, je suis désolé. C'est pas parce que j'ai peur mais c'est que je suis très sensible des yeux. Vas-y Max, tu peux encore sortir là. J'ai peur, j'en ai plus. J'en ai plus. Mais le pire c'est l'attente tout en haut. J'ai des fourmis. C'est l'attente de la sentence. J'ai des fourmis partout dans le corps. Allez, on va retrouver même l'embryeux qui va être sur son matelas, Emma. Et mon Max, attends, tu l'as fait. J'ai de l'électricité. Tu sens ou pas? J'ai de l'électricité dans les mains. Ah, il tremble de fou. Brieux, tu vas pouvoir pour la première fois la t'installer dans le matelas, Emma matelas. J'ai l'impression d'être dans un nuage, dans la pub Kinder. Déjà, je remercie une nouvelle fois Emma de nous avoir accompagnés dans cette vidéo. Je pense que vous l'avez vu, vous êtes très très confortable. Je rappelle, c'est le moment d'investir. Et comme je dis souvent, pour passer de bonnes journées, il faut passer de très très bonnes nuits. Et avec mon code Fred, vous avez moins 10% qui vient se cumuler au moins 50% déjà présent sur le site. Mon code est valable jusqu'au 23 novembre et valable pour les commandes de plus de 300€. Merci à eux de m'accompagner, même au quotidien, parce qu'ils m'accompagnent dans mes nuits aussi dans mon nouvel appartement. Donc merci à eux. Et Brieux, ta thématique. Tu vas me citer les youtubeurs français à plus d'un million d'abonnés, c'est parti! Squeezie, Cyprien, Norman, Thibaut InShape, Amixem, Mastu, Théodore, Joyka, Seb, Lena, Pierre Cross, Lucas Studio, Benjamin Verekia, Natou, Enjoy Phoenix, My Better Self, Michou Off, Inoxtag la chaîne secondaire, McFly Carlito la chaîne secondaire, Bouzy TV, Le Bouzeux, Les Inachevés, Valouz, Pidi, Doc Jay-Z, La Salle, Mikalo, Gotaga, Mafia Stunting, c'est une chaîne GTA, okay. Unwin, Eden et Gaspo. Et top! J'appelle mes invités. Franchement, quelle journée!
Bravo là-dessus. Je suis lavé, je suis lessivé. Mais quelle journée, franchement. Merci beaucoup. J'adore. Je vous remercie d'avoir accepté de faire cette vidéo. Franchement, moi, je me suis régalé. Je fais un grand, grand merci à Nick Leland de nous avoir accueillis ici. En plus, au moment où on publie cette vidéo, le parc est fermé. Il va rouvrir à mars 2024. Donc, avec plein de nouveautés. C'est un parc qui est hyper cool. Il est très, très beau. Là, vous avez pu le voir. Il y a plus de 40 attractions. Donc, venez faire un tour ici. Puis, en plus, on est dans une très belle région. Il y a du champagne qui est pas loin. Donc, venez vous régaler. Tout ça, ça m'a donné de faire un épisode numéro 2. Merci, Nick Leland. Je vais donner là les résultats. Jordi, c'est un maximum de villes de Bourgogne. Tu as fait un score de 14. Oh, ouais, bien joué. Ce qui fait que tu as un total de 61 points. C'est pas mal. Bravo, Max. Max, toi, c'était les films d'horreur. Et je pensais que tu allais en donner un peu plus. Mais c'est, en fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, tu étais tétanisé. Au bout d'un moment, à la fin, tu parlais plus. Exactement. J'arrivais plus à réfléchir, en fait. Max, tu as donné 11 bonnes réponses. Ah, ça va, je pensais que c'était moins. 63. Donc, déjà, Jordi, malheureusement. Pas de mal. Désolé, Jordi. Brieux. T'as fait un score exceptionnel de 35 bonnes réponses, oh, qui fait un score de 73, qui fait que Brieux gagne cette vidéo. C'est sûr, bravo Brieux. Il a dit tout à l'heure, vous connaissez ou pas la personne qui dit « Ah non, j'ai raté mon éval, je pense que je vais avoir 10 », elle a 18. Mais il avait dit déjà en début de vidéo, vous allez voir, je vais pas me choper le matelas tout au long de la vidéo, mais à la fin, ils vont se chier dessus sur le nombre d'extrêmes et je vais choper le matelas et je vais faire une remontada. Oui. Brieux, t'as gagné la vidéo. Déjà, merci à vous trois d'être venus, on s'est vraiment beaucoup amusés. Brieux, je vais t'offrir un cadeau, je t'offre un bon d'achat. T'as fait 73 bons points de 73 euros dans une boutique de bricolage. Parce que je sais que tu refais un peu ta maison, t'en as toujours un petit peu besoin. Donc je te fais un bon d'achat, 73 euros. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais avant de vous quitter, je propose. Moi, dans mes vidéos de parc d'attractions, j'aime bien qu'on finisse tous un peu, toutes ceux qui veulent le faire, les équipes de Niglo. Brieux, tu l'as pas fait. Celle qui veut venir, on fait l'attraction tous ensemble à la fin. Allez, venez. Allez. Je remercie évidemment Niglo Land. Je remercie Frédéric de Niglo Land, qui est la directrice de la com, avec qui j'étais en cours. Ça y est, j'étais à la fin de tournage. J'ai pas envie, je vais encore nickel. Fermer les yeux de tout le truc. Allez, c'est la dernière. Allez, tout le monde doit citer des fruits et légumes. C'est parti. Banane. Tomate. En vrai, je dis rarement ça, mais abonnez-vous, mettez un petit like pour voir si vous avez kiffé la vidéo, comme ça on reviendra en mars. Mais moi, je serai pas là, mars, je suis pas dispo. Bah, je crois que je suis en congé là sans solde. C'est pas là, on fait début avril, c'est pas. Ah, je suis pas là, je suis à New York, combien degrés? Je sais plus comment réagir, je sais plus comment mon corps doit réagir. Regardez ce qui se passe. J'habite. On arrive tout en haut, regardez tout en haut. Regardez ici ce qui se passe. C'est trop long.